Les monts Huang sont l'un des emblèmes nationaux de la Chine, avec la Grande Muraille et le Yangtze, le fleuve bleu. Tous les Chinois espèrent s'y rendre au moins une fois dans leur vie. Les Chinois admirent leur mont Huang, dont la beauté est à nul autre pareil. De vénérables pins noueux et des pics de granit émergeant d'un océan de brume caractérisent ces montagnes mythiques. Au XVIIe siècle, le géographe Zhu Ziyake écrit que ceux qui contemplent ces monts ne cherchent pas plus loin, ils ne verront rien de plus beau. Les monts Huang se trouvent au sud-est de la Chine, dans la petite province de Lanhui, à une heure d'avion de Shanghai. Ils comptent 72 sommets et couvrent une surface de 154 km². Au pied des monts Huang se trouve le petit village de Shidi avec ses 700 habitants. Son architecture est typique des dynasties Ming et Qing qui ont régné du 14e au 20e siècle. L'ensemble est très bien conservé et figure depuis quelques années sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les touristes venant des mégapoles bruyantes du pays, Shidi est un véritable havre de paix. Le temps semble s'y être arrêté. Situé à l'écart des routes de commerce, le village, épargné par les guerres, a su garder son charme et son authenticité intacts. Beaucoup de touristes s'y arrêtent avant de se rendre au mont Huang. Les habitants de Shidi vivent de l'agriculture. L'afflux de touristes n'est pas de nature à troubler leur sérénité naturelle. Shidi est connu pour sa calligraphie, un art qui s'est développé en Chine à partir du 3e siècle. La région produit des pierres à encre depuis 2000 ans. Ce sont des sortes de mortiers en pierre naturelle, utilisés par les millions de Chinois qui pratiquent la calligraphie comme un art à part entière, ainsi que par de nombreux artistes peignant à l'encre. Fang Zihua est passé maître dans l'art de sculpter ces pierres, dont la texture est très malléable. Il peut passer des mois sur ses dessins délicats. La plupart illustrent des contes et légendes des monts Huang, qui constituent une inépuisable source d'inspiration pour de nombreux artistes. Les pics et les rochers du massif sont traditionnellement associés au principe masculin du yang, tandis que les nuages renvoient au principe féminin du yin. Le spectacle de l'aube et du crépuscule baignant dans les traînées de nuages des monts Huang crée une ambiance enchanteresse, propice à l'inspiration des calligraphes, des peintres et des poètes depuis des siècles. Huang Shan signifie littéralement
les monts jaunes. Le professeur de philosophie Chiang Mai-hsien écrit des poèmes. Ceux d'entre eux qui font l'éloge des monts Huang sont connus bien au-delà de la province de l'Anhui. Les sommets des monts Huang sont infinis. Il n'y a pas de sommet sans rocher, pas de rocher sans pin, et pas de pin sans tronc noueux qui titille l'imagination à l'infini. D'autres montagnes séduisent par leur forme simple et pure. Les monts Huang séduisent parce qu'ils sont en perpétuelle évolution. Ils sont insaisissables. L'océan de nuages est poétique. Il s'étend dans toutes les directions. La montagne est un peintre. Elle prend son origine dans les nuages, et les nuages ne font qu'un avec elle. La brume épaisse crée un décor à la fois réel et irréel. C'est l'être et le néant. Ce sont tantôt mille voiles, tantôt des navires dans la mer. Les monts Huang sont des montagnes magiques et invincibles. Si Chiang Mai-hsien écrit des poèmes, c'est pour réjouir le cœur des hommes. Et la montagne se prête à l'émerveillement tant recherché. Ce massif s'est longtemps appelé Yishan, jusqu'à ce que vers le 8e siècle, l'empereur de Chine le rebaptise Huangshan, les monts jaunes, en l'honneur de Huangdi, l'empereur jaune. C'est en effet à cette époque que naît une légende selon laquelle Huangdi, l'un des 5 empereurs mythiques qui aurait fondé la civilisation chinoise il y a 5000 ans, aurait découvert un élixir d'immortalité à base de plantes et serait monté au ciel dans ces montagnes. Taoïstes et bouddhistes ont bâti de nombreux temples dans les monts jaunes. Mais le massif n'a jamais été officiellement reconnu comme étant l'une des montagnes sacrées de Chine. Il n'en demeure pas moins que depuis 4000 ans, presque tous les rois et les empereurs de Chine s'y sont rendus, y compris certains chefs du parti communiste comme Deng Xiaoping. Tous, sans exception, se sont extasiés devant la singulière beauté de ces monts. Leurs richesses botaniques, leurs extraordinaires pins parasols qui poussent dans les renfoncements des rochers les plus exigus, ainsi que les pics culminant à 1800 mètres d'altitude, sont grandioses. Avec ses 56 branches, ce pin est devenu le symbole de la Chine, qui regroupe 56 ethnies, celle des Han étant majoritaire. Les vallées à pente douce des monts Huang sont couvertes de forêts. Leur sol est riche et une multitude de plantes médicinales y poussent. Mais il n'y a nulle trace de l'herbe de l'immortalité découverte par l'empereur jaune. He Shenhan a 78 ans. Il enseigne la médecine traditionnelle chinoise et s'y connaît très bien en plantes médicinales. Cette plante s'appelle Tiananxin et son fruit c'est le yeyumi. Il est toxique. Mais les racines sont utilisées pour réduire les œdèmes et soulager les douleurs.
On les broie avec les feuilles de la plante, on ajoute du sel et on applique l'onguent ainsi obtenu sur la zone à traiter. L'inflammation et la douleur s'atténuent aussitôt. On peut aussi fabriquer des médicaments traditionnels chinois en mélangeant l'onguent avec du gingembre. Cette plante, c'est du zhexiancao. Elle apaise ou stimule les fonctions urinaires. Elle est utilisée sous forme de décoction et elle agit aussi contre la sécheresse de la bouche et de la langue. D'après He Shenhan, une cinquantaine de plantes médicinales poussent par ici, peut-être même plus. Ça, c'est du dali. Oui. Elle a un goût acre et piquant, mais elle agit très bien contre les inflammations. Les gens d'ici l'utilisent pour traiter les maladies articulaires. On broie les racines avec une pincée de sel et on applique la pâte ainsi obtenue sur la zone à soigner. Chedangui est utilisée pour les femmes, en gynécologie. Elle permet d'arrêter les saignements. He Shenhan a la nostalgie d'une époque révolue. Beaucoup de choses ont changé ces dernières années dans les monts Huang. D'après la légende, cela fait très longtemps qu'on cueille des plantes médicinales dans les monts Huang, puisque l'empereur jaune lui-même y aurait découvert la plante de l'immortalité. Aujourd'hui, les plantes sont protégées et on n'a plus le droit de les cueillir comme on veut. Avant la révolution culturelle, tous les hôpitaux s'approvisionnaient dans les monts Huang. Aujourd'hui, ils s'approvisionnent dans d'autres régions. L'UNESCO a déclaré les monts Huang patrimoine mondial en 1990. Ceci pour protéger ces paysages magnifiques, ces formations granitiques exceptionnelles qui évoquent d'immenses stalagmites et ces 10 000 pins centenaires. Désormais, l'accès aux visiteurs est limité. Ce pont de contes de fées date de 1985. Il offre un panorama spectaculaire et des points de vue grandioses. Des cadenas s'amoncellent devant tous les belvédères des monts Huang. Des amoureux les ont laissés là, en gage de leur attachement à l'être aimé, à la vie, mais aussi à la montagne. Se jurer amour et fidélité ici, sur la plus belle montagne du pays, est un rituel que beaucoup de Chinois rêvent d'accomplir. Mais les monts Huang sont loin de ne séduire que les amoureux ou les poètes. Ils attirent aussi des bataillons de photographes qui tentent de saisir la beauté fugace du spectacle sans cesse renouvelé de la nature. Yao Yuqing est l'un d'eux. À 52 ans, il s'est installé à demeure sur la montagne pour capturer cette féerie de tous les instants. Son album de photographies se vend dans toute la province de Lanhui. Quand Yao Yuqing travaille, il perd toute notion du temps. Je travaille sur les monts Huang depuis plus de 20 ans. Mais je fais de la photographie depuis 5 ou 6 ans seulement.
J'ai réalisé plusieurs dizaines de milliers de photos. J'en ai sélectionné 300 pour un album que j'ai publié. Les monts Huang ont inspiré toute une école de peinture paysagiste. Moi-même, je suis formé à la peinture au départ. Mais finalement, il m'a paru difficile d'exprimer la splendeur et l'atmosphère enchanteresse de ces montagnes avec les techniques du peintre. C'est pour cela que je me suis tourné vers la photographie. C'est la forme artistique la mieux à même de rendre la beauté des monts Huang, à mon avis. Chaque saison a son charme dans les monts Huang. L'hiver est très beau, c'est la saison des nuages. Mais il y a aussi des journées ensoleillées. C'est une période calme, avec moins de touristes. Regardez, toutes ces photos ont été prises en hiver. Quelle que soit la saison, les chapelets de nuages qui s'étirent dans le ciel offrent un spectacle merveilleux, évoquant tout à la fois le changement et la permanence, le mouvement et la quiétude. Le paradoxe moderne des monts Huang, c'est qu'il n'accueille désormais pas moins d'1,5 million de visiteurs par an, attirés justement par le calme et le recueillement des lieux. Il faut bien désaltérer et restaurer tout ce monde. Ceux qui dorment sur place sont logés dans l'un des 7 hôtels des monts Huang. 250 porteurs transportent leur linge et ramassent leurs déchets. Ils peinent à la tâche car ils montent et descendent la montagne à longueur de journée. Comme leurs collègues de l'Himalaya, ils sont capables de porter 90 kilos. Plus la charge est lourde, plus le salaire est élevé. Un porteur peut gagner dans les 300 yuan par jour, soit 35 euros. Avec cette somme, Chang Heping peut nourrir convenablement sa femme et son fils. Il porte pour sa part des sacs de linge de 40 kilos chacun. Je porte le linge des hôtels. D'autres portent les vivres, les matériaux de construction ou les bagages des touristes. Je suis né au pied des montagnes, dans la région de Dabiasan. Je vis en haut depuis 20 ans. J'aime beaucoup ces montagnes. Elles sont belles et propres. Je m'y sens chez moi. Ceux qui viennent travailler dans les monts Huang ne veulent plus en repartir. Moi y compris. Une bonne partie du massif a été aménagée au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, on compte quelque 80 km d'escaliers, 63 000 marches en tout. Les porteurs sont contents quand ils tombent sur Mao Yinfu. Deux à trois fois par semaine, ce peintre cherche un nouveau point de vue pour s'adonner à sa passion. Il est tombé sous le charme de ces montagnes et ne les quitte plus. D'avril à novembre, il loge même sur place à l'hôtel. Depuis 20 ans qu'il a adopté les monts Huang comme sa patrie, il a peint une centaine d'œuvres. Il couche ce qu'il voit et ce qu'il ressent
sur une toile ou une feuille de papier. Et il est ravi qu'aujourd'hui, le soleil soit de la partie. Mao Yinfu enseigne à l'Académie de peinture des monts Huang. Il a créé son propre style, sujet grandiose, composition délicate et claire, et une note d'héroïsme rafraîchissant, selon ses propres mots. Aujourd'hui, le temps est radieux. Nous sommes dans le site le plus pittoresque des monts Huang, la vallée du pic Shihai. En général, il y a de la brume qui contribue à créer une atmosphère singulière, presque irréelle. Quand elle n'est pas là, je l'ajoute. Car nous, les Chinois, nous aimons ce sentiment d'irréalité qui nous donne l'impression d'être à la frontière entre le monde terrestre et le monde céleste. Mao Yinfu utilise des encres fabriquées dans la région. Les monts Huang sont vraiment magnifiques et beaucoup d'artistes y viennent pour peindre d'après nature, tout simplement. De grands peintres s'y rendent plusieurs fois par an. Ce qui les séduit dans les monts Huang, une nouvelle source d'inspiration et un sentiment de plénitude très bien décrit et rendu par le géologue Zhu Ziyake. Que ceux qui contemplent ces monts ne cherchent pas plus loin, ils ne verront rien de plus beau. Je suis tout à fait d'accord. Il n'est nul besoin d'être poète pour donner un nom au rocher des monts Huang. Celui-ci est Fei Lâché, le rocher déposé par le vent. Mais beaucoup de visiteurs ne profitent guère de ce spectacle, car les journées ensoleillées sont rares. Le sommet le plus haut, à 1864 mètres d'altitude, est souvent plongé dans la brume. La montagne joue à cache-cache avec les nuages. Elle offre des visions furtives et changeantes qui éveillent chez beaucoup un sentiment d'irréalité et de magie. Les monts Huang ont toujours attiré les peintres. Les écoles de peinture de la province de Lanrui comptent quelques milliers d'élèves, mais on ne les voit guère flâner par ici. Car depuis que la montagne fait partie du patrimoine mondial, il faut débourser une quinzaine d'euros par jour pour s'y promener, un prix exorbitant pour la jeunesse chinoise. Elle préfère aller à Hongzun, au pied des monts Huang, un village pittoresque, idéal pour ces jeunes peintres en herbe. Hongzun a été fondée il y a un millénaire environ, au milieu d'un lac. Avec son architecture épurée, c'est l'un des joyaux culturels du sud-est du pays. Il fait partie du patrimoine de l'humanité et constitue l'un des motifs récurrents de la porcelaine de Chine.
Hongzhun est l'un des villages les plus visités de Chine et certainement l'un des plus représentés par les peintres. Il n'a quasiment pas changé depuis sa fondation. L'installation du tout à l'égout et de l'électricité a tout de même permis d'améliorer le confort de vie des quelques 3000 habitants. Le village a su garder sa quiétude. Les habitants vivent de l'élevage et de l'agriculture et fabriquent un jambon fumé très réputé. Les touristes peuvent se restaurer dans de petites auberges ouvertes spécialement pour eux. La magie des siècles passés qu'on ressent à Hongzhun fait partie des charmes d'une excursion au Mont Huang. La famille Qingpin occupe la même bâtisse depuis 12 générations. Les visiteurs sont les bienvenus. Ils peuvent savourer une tasse de thé dans l'atmosphère paisible de la cour et découvrir le lien étroit qui unit cette famille au Mont Huang. La maison a été construite vers 1650 dans le style architectural de la dynastie Qing. L'air et la lumière pénètrent dans la pièce principale par le haut. C'est typique de l'architecture Qing, à une époque où les maisons étaient construites trop près les unes des autres pour qu'on aménage des fenêtres. Les Qingpin sont l'une des familles les plus aisées de Hongzhun. Ils louent leurs terres. Wang Qingpin est le chef de famille. C'est un ancien ingénieur du génie civil et professeur d'université, âgé de 73 ans. Quand un village est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut constamment l'entretenir. L'une des plus belles demeures de Hongzhun n'est plus habitée depuis 25 ans. Mais Shu, Lu et Fu, les trois dieux de la longévité, de la prospérité et du bonheur, trônent toujours à la même place. Cette maison, bâtie il y a 250 ans, appartenait à un marchand de sel. De nombreuses gravures sur bois ornent les colonnes et les portes. Elles représentent des scènes de la vie des courtisans. Divers symboles de bonheur témoignent également de la richesse du maître des lieux. Avec ses quelques 2000 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes demeures de la région des monts Huang, ainsi que l'une des mieux conservées. Wang Yongbin n'entretient son potager que pour arrondir ses fins de mois. Il tire son principal revenu des ustensiles en bambou qu'il fabrique dans un atelier aménagé dans son arrière-cour. Il vend sa production au village et dans quelques points de vente de la région. Le bambou est un bois très valorisé en Chine. D'ailleurs, les caractères chinois pour « bambou » et « ami » sont presque identiques. C'est aussi une ressource durable, qui symbolise une attitude positive face à la vie. Wang Yongbin en fait des ustensiles pour le quotidien, des gobelets, des théières, des vases.
Mais dans un autre atelier, on utilise le bambou pour l'ornementation. Avant de sculpter le bois tendre, on le plonge dans un bain de thé pendant plusieurs semaines pour le teindre. Xiang Hui étudie les beaux-arts. Il tient son savoir-faire artisanal de son père, qui l'aide à l'atelier à ses heures perdues afin d'améliorer les revenus de la famille. Les pluies sont plutôt fréquentes dans la région. L'école de Hong Tsun a longtemps été logée sous cette grande halle, avant d'être déplacée ailleurs il y a 20 ans. Aujourd'hui, et de manière tout à fait exceptionnelle, professeurs et élèves s'y sont de nouveau installés pour présenter le quotidien des écoliers d'autrefois. Les monts Huang et le village de Hong Tsun attirent aussi des cinéastes en quête de décors historiques. Tigre et Dragon est l'une des coproductions chinoises les plus connues. Elle a été filmée ici en 2000. Elle a remporté 4 Oscars et rempli les salles de cinéma du monde entier. Meister Li ist da. Meister Li ist gekommen! Julien! Julien! Nur das Schwert wird bestimmen, wer im Recht ist. Wang Jingbin n'a pas oublié le tournage. Au moment du tournage de Tigre et Dragon, j'ai filé un coup de main pour transporter le matériel. C'était très impressionnant, tous ces comédiens. J'ai vu les scènes de combat entre Zhurunfa et Zhang Ziyi en direct de mes propres yeux. J'ai aussi vu tout le travail que ça représentait de tourner un film. Il faut quasiment 3 ans de préparatifs pour tourner 3 minutes de film. Des sources chaudes se trouvent non loin de Hong Tsun, au pied des monts Huang. La Chine n'en compte pas moins de 3000. Certains viennent s'y délasser après avoir gravi la montagne. D'autres viennent pour les vertus thérapeutiques de l'eau qui soulage les maladies de peau et l'arthrite. Elle est riche en minéraux et sa température oscille entre 35 et 38 degrés. Rares sont les touristes qui gravissent les monts Huang à pied. La plupart rejoignent le sommet en téléphérique. Le trajet dure 20 minutes. À pied, il faut compter 4 à 5 heures de marche. Le chemin part de cet ancien monastère bouddhiste transformé en restaurant. Une famille se lance à l'aventure. Il y a 800 mètres de dénivelé. C'est loin d'être une simple promenade de santé. D'autant qu'il pleut souvent dans les monts Huang, 180 jours par an en moyenne.
Une première formation de granit baptisée la bougie apparaît au bout de 250 mètres de dénivelé. Autrefois, les visiteurs empruntaient un sentier. Mais depuis l'ouverture officielle du parc naturel aux touristes dans les années 1980, un escalier de 6000 marches conduit au sommet. Par un temps pareil, la petite troupe est heureuse de trouver un abri sur chaque aire de repos. Ils se sont levés à 5 heures du matin et font une pause revigorante. Les monts Huang sont connus en Chine et dans le monde entier. Aujourd'hui, on y vient avec toute notre famille pour faire de l'exercice et tester notre endurance. Il faut un corps sain et vigoureux pour être heureux. Les monts Huang font partie du patrimoine naturel et culturel de l'humanité. Mais c'est aussi un grand parc géologique. Le paysage est magnifique. Et nous sommes venus en famille pour gravir la montagne et profiter ensemble de sa beauté. Il n'est sûrement pas aisé de profiter du paysage sous ces trempes d'eau. Mais le mauvais temps participe du charme des monts Huang. C'est pour cette atmosphère si particulière que les Chinois gravissent la plus belle de leurs montagnes depuis toujours. En tout cas, depuis que l'empereur jaune y a découvert le secret de l'immortalité et qu'il est monté au ciel il y a 5000 ans. La petite famille avec ses deux enfants marche depuis près de 5 heures maintenant. Mais ils touchent au but. Le promontoire du pic de l'écran de jade est en vue. À 65 ans, Yan Xinlao est fier d'avoir relevé le défi. On est content d'avoir réussi à monter en haut des monts Huang. C'est magnifique. L'ascension était difficile, mais à la fin, on est très fiers de soi. On a monté plus de 6000 marches aujourd'hui. Toute la famille était très heureuse d'être là et on a tous apprécié la randonnée. Surtout nous, parce qu'on ne rajeunit pas. Ce rocher est appelé le Bouddha gisant. Et voici le pin de 1000 ans saluant ses hôtes. Le pin est un symbole de persévérance et de ténacité en Chine. Lever du soleil sur les monts Huang. Rien que pour cette vision, de nombreux touristes restent dormir dans le massif. Il fait froid à 5 heures du matin à 1650 mètres d'altitude. Mais la beauté du paysage efface les souvenirs des prouesses physiques endurées la veille. C'est le moment idéal pour se lancer à l'ascension du sommet le plus élevé, le Lian Hua Fun, le pic du lotus, à 1864 mètres d'altitude. Mais la pente abrupte est dangereuse et seuls les parents s'y risquent.
En chemin, il croise le rocher de la tortue. Les 100 derniers mètres de dénivelé sont les plus ardus. Mais seuls ceux qui montent tout en haut peuvent se targuer d'avoir gravi la plus belle montagne de Chine. Les plus fiers d'entre tous sont bien sûr ceux qui ont fait tout le chemin à pied. Les monts Huang sont magnifiques. Les points de vue pittoresques ou spectaculaires y sont nombreux. Mais le sommet offre un ravissement suprême, même ou surtout si l'on a mal aux pieds. On comprend mieux les paroles de Zhu Ziyake, le géographe du XVIIe siècle. Que ceux qui contemplent ces monts ne cherchent pas plus loin, ils ne verront rien de plus beau. Cheng Jie et son mari sont heureux d'être arrivés en haut. C'est la troisième fois que je viens au mont Huang. J'étais déjà monté au pic du Tiandu et à celui du Guangming, mais jamais au Lianhua. Aujourd'hui, je réalise un vieux rêve. Je suis très heureuse. J'ai enfin gravi le pic du Lotus, le plus haut sommet des monts Huang.